Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est mardi de Pâques. Grâce à l'initiative de l'Église protestante de Genève et d'un groupe de ses prédicateurs laïcs, nous allons organiser une série de services et de méditations en relation avec la Semaine Sainte. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche prochain, nous serons avec vous pour méditer sur ce que les événements liés à la passion, à la mort et à la résurrection de Jésus peuvent signifier pour nous ici et maintenant. Le programme d'aujourd'hui sera le suivant. Nous commençons avec ces paroles d'accueil. Ensuite, il y aura une lecture biblique basée sur Jean 12, versets 1 à 11. Et puis, nous continuerons avec une prière d'intercession. Tout de suite après, notre frère Louis Norbert Rakotu Nanahari partagera avec nous une prédication intitulée « Quelle relation d'amour entretenons-nous avec le Christ ?»« Quelle relation d'amour entretenons-nous avec le Christ ?» Finalement, nous terminerons avec les paroles d'envoi. Bienvenue donc à ce moment et nous espérons qu'il sera d'utilité pour vous. Maintenant, soyez accueillis avec la communion de Dieu qui nous rassemble. Et je partage avec vous une prière d'introduction. Le Père qui nous offre des visages dans lesquels découvrir le reflet du Créateur, le Fils qui nous recueille de tous nos éparpillements d'aujourd'hui, le Saint-Esprit qui nous ouvre à un lieu où nous pouvons poser pour entendre résonner les bruits légers de la source. Amen. Lecture biblique, Jean 12, versets 1 au 11. L'onction de Jésus à Béthanie avant la Pâque. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, celui qu'il avait ressuscité d'entre les morts. On donne un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était avec Jésus parmi les conviés. Or, Marie avait pris un livre d'un parfum très pur et d'une très grande valeur. Elle verse le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuie avec ses cheveux. La maison fut remplie par l'odeur d'un parfum. Judas Iscariote, l'un des disciples, celui qui avait le livret, dit alors, « Pourquoi on n'a pas vendu ce parfum pour 30 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parle ainsi, non parce qu'il se préoccupait des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait pour lui ce qu'on lui mettait. Jésus lui dit, « Laisse-la. Il fallait qu'elle garde ses parfums pour le jour de ma mise au tombeau. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Mais moi, vous n'aimerez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là. Et ils arriveront, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Les chefs des prêtres décidèrent alors de faire mourir ainsi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allèrent et croyaient en Jésus. Amen.
guidés par la curiosité, de nombreux Juifs s'attroupent autour de la maison de Lazare. La foule aime le sensationnel. Guidé par l'appât du gain, un disciple convoite et ment. Judas aime l'argent. Guidé par son cœur, une femme lave avec un parfum précieux les pieds de l'invité devant laquelle elle est agenouillée. Le nom de cette femme, dit notre texte, c'est Marie. Elle est originaire de Magdala, au bord du lac de Tibériade, d'où son nom Marie de Magdala. D'après l'évangile de Luc, elle fait partie du groupe des disciples de Jésus qu'il avait délivré de l'esclavage des 7 démons qui l'a tourmenté. Pour certains commentateurs, elle était une femme fortunée, connue de tous et qui devait mener une vie mondaine, d'où le surnom de « femme pécheresse » qu'on lui attribuait. Amie des richesses et de la vie mondaine, on devine que sa conversion a dû être un véritable bouleversement. Elle abandonne en effet son mode de vie antérieur pour suivre Jésus. Et elle manifeste alors sa conversion de façon radicale et concrète en pourvoyant aux besoins de la jeune communauté. Alors, depuis sa conversion, une relation privilégiée va s'instaurer entre Jésus, l'homme-Dieu, et Marie de Magdala, l'ancienne pécheresse pardonnée. D'après les mœurs de l'Orient, lorsque on recevait dans une maison un hôte de distinction, on lui offrait avant tout une huile odoriférante pour oindre sa tête et de l'eau tiède pour laver ses pieds couverts de poussière. C'est là des soins remis à des serviteurs. Mais Marie s'en acquittera elle-même. Surprise, elle fait plus. Elle prend un vase, un flacon d'albâtre, rempli d'un parfum de grand prix. Elle répand l'huile sur les pieds de Jésus, comme si ce parfum de grand prix n'était que de l'eau, et avec tant de profusion qu'elle doit les essuyer avec ses cheveux. Pourquoi ? Après avoir été assise aux pieds de Jésus, apprenant de lui, elle montre maintenant l'intelligence de l'amour. Elle sait apporter au moment opportun ce qu'elle a préparé depuis longtemps. Son amour pour Jésus et son intelligence spirituelle formée à l'écoute du Maître lui font discerner que c'est aujourd'hui le moment pour honorer une dernière fois celui qui va bientôt laisser sa vie. Alors, elle profite de la présence de Jésus pour répandre ce parfum précieux sur ses pieds, puis elle les essuie avec ses cheveux. Plus tard, d'autres femmes ont aussi à cœur d'embaumer le corps de Jésus, mais lorsqu'elles sont venues au sépulcre pour accomplir ce geste d'amour, le Seigneur Jésus était déjà ressuscité. C'était trop tard pour l'honorer de cette manière. Seule Marie a eu ce discernement du moment qui convenait pour le faire. On peut remarquer d'ailleurs que Marie, il n'est pas allé au sépulcre. Dans l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 42, Jésus disait que Marie a choisi la meilleure part, celle de l'amour brûlant qui ne peut se taire et transcende les convenances. De par sa position sociale, riche et fortunée, celle-ci doit savoir qu'un complot se prépare et que la vie de Jésus est plus que jamais menacée. Elle est donc venue lui rendre un dernier hommage pendant qu'il était encore
envie. Elle suit l'élan de son cœur qui lui dicte un témoignage personnel, un don dépourvu de calcul. Son geste relève du cri muet de l'adieu. Jésus le comprend et le désigne comme tel. Plus qu'un parfum précieux, elle offre son consentement à la mort prochaine du bien-aimé. Elle agit pour celui qu'elle aime, sans intervention, sans intention possessive, avec l'humilité et l'effacement d'une servante du Seigneur. Alors, le parfum se répand dans la maison, de même que l'Évangile sera annoncé à toutes les nations. La bonne nouvelle du royaume est diffuse et ne se laisse pas contenir. Quant à nous, chers frères et sœurs, quelle relation d'amour entretenons-nous avec le Christ? Profitons de cette semaine sainte pour scruter notre conscience. Comme chez une partie de la foule, l'événementiel masque-t-il à notre regard l'essentiel? Comme Judas, le gain nous conduit-il à notre perte? Touchons Jésus avec le cœur et dépensons à ses pieds, sans compter le plus précieux, notre vie. Amen. Prions ensemble. Seigneur Dieu, notre Père, donne à ce que tu appelles de pouvoir entendre ta voix malgré le bruit du monde et la faiblesse de leur foi. Accorde-leur un cœur brûlant et généreux, insensible aux obstacles de l'indifférence et de la tentation, docile à ta volonté et prompt à te répondre. Permets-leur d'être au milieu des hommes et à leur service, des âmes de prière, des témoins fidèles de l'Évangile et des relais de ton appel. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Dans sa première lettre, l'apôtre Jean nous dit: n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et les sœurs. Que ta paix, Père, reste dans nos cœurs. Que ta force, Saint-Esprit, nous ranime. Que ton amour, Jésus-Christ, nous accompagne jusqu'à ton retour. Amen.